La 15e édition des prix de photographie Marc Ladret de la Charrière a enfin eu lieu le 5 décembre 2023. Le célèbre collectionneur d'art y a assisté avec sa fille Léonore. S'y estime une 15e édition réussie pour les prestigieux prix de photographie Marc Ladret de la Charrière. L'événement a été organisé le mardi 5 décembre 2023 à l'Académie des Beaux-Arts au pavillon Contescan de l'Institut de France. CIST dans le cadre exceptionnel de l'exposition Regard, première rétrospective du prix, que tous ses protagonistes se sont réunis. 15 années d'art et de mécénat, les prix de photographie Marc Ladret de la Charrière mettent en lumière, depuis l'année 2007, la richesse et la diversité de l'expression artistique. Il récompense une très grande diversité de photographies, cherchant toujours à mettre en lumière la singularité et la sincérité de l'expression artistique. Photographie humaniste, intimiste, plasticienne ou documentaire, chaque édition du prix est marquée par un nouvel univers, une nouvelle écriture, une nouvelle manière de témoigner du monde. 15e prix de photographie Marc Ladret de la Charrière, qui était présent? De nombreuses personnalités du monde de la photographie, de la culture et des arts étaient présentes le mardi 5 décembre 2023 pour assister au 15e prix. Au bras de sa fille Éléonore, le mécène, collectionneur et homme d'affaires Marc Ladret de la Charrière, président d'honneur et propriétaire de Webedia, société éditrice de Pure People, a ainsi croisé Françoise Huguier, Catherine Henriette, Catherine Cooper, Jean-François Sprissigo, Éric Pilot, Flore, Bruno Fer, Olivier Jobard, Pascal Maître, Laurent Petit-Girard, Jean-Michel Ribes, Sylvie Hugues, Hermine Vidot, Élise de Blanzy-Longuet, Adrien Goetz, Claudine Doury, Astrid de la Forest ainsi que Jean-Claude Camus. Just me.